Les amis, aujourd'hui, visite de ma ville, de mon village sur Lego. Vous le savez, la dernière vidéo que j'ai fait où on a joué pendant 6 heures, où on a pris les bases, etc. J'ai pas rejoué depuis, ça fait 48 heures, les amis. Je suis là, je tourne en rond, j'ai qu'une envie, c'est de jouer. Le truc, c'est qu'avec le calendrier de l'avant, etc., j'ai pas pris le temps. Il y a Caisson, le jumeau de Pidi qui jouait sur le serveur, qui m'a envoyé un message le lendemain matin. Ouais, Val, est-ce que tu m'autorises à avancer un petit peu sur le serveur? Parce que je sais que toi, tu peux pas jouer tout le temps, mais j'aimerais bien y jouer, j'accroche au jeu, etc. Je lui dis, t'inquiète, il y a pas de souci, de toute manière, je vous spoil. Normalement, nous, on va faire un serveur entre croutons. Bien normalement, parce qu'on connaît les croutons, hein, les gars. J'ai eu le feu vert de Michou, le feu vert de Bouzy. Au moins, avoir un petit noyau de 3 et ensuite, peut-être d'autres qui arriveront. On croise les doigts. Du coup, je lui ai dit, vas-y, tu peux t'amuser dessus, etc. 48 heures, les gars. Je lui ai laissé 48 heures. Il m'a fait un château fort. Il a fini le jeu. Il a séché le bail. 48 heures, il a joué 40 heures. Les amis, on va aller voir ça. On n'oublie pas, comme d'habitude, les petits pouces, les abonnements et les commentaires. C'est parti. Franchement, en ce moment, le soir et tout, quand j'ai pas le temps de jouer, je suis quand même un petit peu sur TikTok et tout. Tu regardes mon TikTok, c'est que des trucs Lego. Genre les montgolfières, etc., les astuces, les... J'ai de tout type, mais c'est que du Lego. Moi, je te dis, c'est une masterclass. Il y a zéro van, je te jure. C'est une masterclass. Bah, avec les mises à jour et tout, ça va être trop bien. T'as vu, ils ont annoncé, là, sur les réseaux officiels, ils ont annoncé que, du coup, ça va être vraiment un mode de jeu qui va être implémenté dans le temps et qu'il y aura régulièrement des mises à jour. Arrête. Je te jure, ils l'ont dit hier. Caisson. Tu dors? Ça va, mon petit Caisson? Ouais, tu dors. Ah non, il y a une porte là. Tu dormais? Ouais, j'étais en train de dormir tranquillement, ouais. J'ai dormi 2-3 jours, quoi. 2-3 jours, je me suis pas connecté, quoi. Mais attends, mais dans ta piole, frère, t'as une porte pour aller dehors. Ah ouais. Ah bah ouais, frère. Alors, moi, la dernière fois que je m'étais connecté au serveur, c'était ça. C'était ma petite maison que j'avais décorée et tout. Tu la trouves comment? Bah, en vrai, hein, je l'ai pas détruite parce que. Bah, heureusement que tu l'as pas détruite. Attends. Ah oui, le mec, il se refait tout le serveur. Déjà, là, je peux voir par les fenêtres. Mais attends, mais qu'est-ce que tu nous as fait? C'est quoi ce truc de fou là-haut là? Oh, tu me montreras tout ça juste après. T'as utilisé mes coffres ou pas? En vrai de vrai, quelques ressources que genre, tu vois, genre de la soie et tout que t'avais fermé, que moi je fermais pas trop. Et t'avais vu mon coffre secret? Ah ouais, t'as vu aussi, putain. T'as pris dans mes coffres secrets et là. La tête de homme, je savais pas ça. Oh, ici, tu t'es pas servi. T'as vu, j'ai une pizza et tout là, regarde. T'as une pizza? Ouais, j'ai une pizza. T'as vu, c'est sympa hein. RDV devant la maison. Oh, pourquoi y a plus de bloc de terre? Bah, je les ai tout déplacés ici. En fait, j'étais en train de déplacer. Ah, ok. Mais attends, mais quand tu déplaces le bloc de terre, la plante, elle reste? Ouais, d'ailleurs, je sais pas si c'est normal, ça. Je vais être honnête avec toi. Ah, t'as bougé le totem. Attends, mais le totem, du coup, il est level combien, là? Ah ouais, ouais, il est niveau max. Ouais. Ah oui. Je pense que j'étais parti, j'étais niveau 6 ou 7. On était niveau 6, ouais. Ah ouais, c'est quoi, ça, par terre? Ça, je sais pas. À mon avis, c'est quelqu'un qui a mis ça, là. De base, c'est du sol, en fait. C'est des types de sol, tu sais. Ok. T'as détruit la maison de Pimpus? J'étais obligé pour la muraille, ouais. Du coup, on en a refait une ici, là-bas, au bout, attends, regarde. Attends, mais t'as fait une muraille tout autour, là? Mec, c'était une tannée, j'ai tout fait à la main. J'aurais aucun préfable, hein. Et j'ai pas fini, hein. J'ai des trucs à modifier. T'as laissé la maison de Dobby? Ouais, gros. Oh là! La même. Attends, mais qu'est-ce qui m'attend, les 25 burgers? Ah, inventaire plein, t'as de la chance. Quand plus j'ai la dalle. Regarde, j'ai laissé les pieux et tout, gros. Ah ouais, là, t'as tout laissé tel quel. Et ici, y a toujours ouais, rien. Ouais, vraiment. Non, y a rien, gros. J'ai vraiment pas trop motivé parce que déjà c'était pas mon serveur, déjà de 1. Bah, et de 2, bah. Pour remettre les choses dans les contextes, tu m'as quand même demandé l'autorisation. Si je t'avais dit, bah non, t'aurais créé un serveur. Donc en soi. Ah, ouais, c'est ouais, comme si c'était ton serveur. Du coup, l'établi et tout est level max? Ouais. Genre là, on peut. Oh ouais, une pioche violet. Ça existe pas les épées violets? Si, tu ne. Ah si, mais. Oh, grappin planeur! Ouais, tu le veux? Ah, le grappin, Pimpus, il a. Attends, je peux te le crafter. Tiens, j'ai un planeur, tu veux tester? Tiens. Vas-y, j'ai jamais testé. À droite là-bas. Attends, mais la caisson, je suis en train de voir des trucs, t'as fait une dinguerie. Hein. Là, si je saute, je peux l'activer? Ouais, tu fais espace, voilà. C'est trop bien, bah c'est le planeur de Fortnite en fait. Hein. Alors, ici, je fais la petite visite, hein, caisson, en attendant. Tu nous as construit une petite maison de Pleasant Park, ça, j'ai l'impression. Ah, ça, c'est re la maison de Pimpus que j'ai refait. Ah, ok, mais non, il avait pas fait celle-là à la base. Par contre, c'est normal que le sol, il est. J'ai pas fini. Ah, mais
le sol il a pris le dessus sur la maison. Ah ouais, ça tu vois, bah ouais, ça c'est le problème. En fait, dès que tu mets des préfabs, c'est ça qui est chiant. En fait, c'est de là, du coup, je vais t'expliquer. Pour la muraille, par exemple, tu vois, tout est de la même hauteur en fait. Ok. Tu vois que là derrière toi, tu vois, il n'y a pas beaucoup de fondations ici, tu vois là. Regarde. Tu vois, il y a genre 10 blocs. Alors que tu te retournes là-bas au bout, t'as genre 15-20 blocs, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, moi, c'est ce que je voulais faire, c'est que ça soit toute la même hauteur. Non, c'est en pour fait, ça vu que le terrain n'est pas plat, tu peux pas. Ouais. Et c'était une tannée, hein. J'ai tout fait à la main, gros. Ah ouais, c'était long. Oh, et je reconnais plus notre truc. Mais par contre, du coup, là, il n'y a plus de monstres qui viennent. De temps en temps, dans ou de la base, mais je crois que c'est un bug. Mais c'est... sinon, non. Et la maison qui est juste à ta gauche maintenant, là, ici, pareil, je l'ai créée à la main. Celle-là ? Ici, là. Ouais. À la main. C'est pas un pattern, ça. Non, j'ai créé à la main, gros. Attends, je l'ai mis où, mais. Et je l'ai fait à la main. J'ai pas fini parce que bah, je voulais modifier des trucs, mais ouais, elle est faite à la main. Le toit est fait à la main et tout. C'est une tannée, gros. J'ai du mal un peu avec le build. Ça, c'était pour faire le toit, en fait. Elle est gigantesque, la case. Mais attends, mais du coup, t'as utilisé. Le toit, c'est pas le bois. C'est non. Le toit de la maison là-bas. Ouais. Attends, je vais aller voir par là. C'est pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas top. Mais bon. Oh, mais il y a deux arcs-en-ciel. Ah bon. Ah ouais. Incroyable. What the fuck, je l'ai jamais vu. Ah ouais, le toit, ok, d'accord. Et ça, c'est dur à construire, du coup. Parce que moi, j'avais testé justement les préfabs. Ça allait, tu vois. Les préfabs, c'est bien, mais je trouve que c'est chiant si tu veux vraiment être entre guillemets précis. Après, en vrai, tu t'es balade hein, quand même. Bon, là, le mur est pas. Ah, ben attends. Ah non, ils sont pas du même sens, j'ai l'impression, ces murs-là. Ouais, mais là, tu vois qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de piliers. Et là, tu voulais faire un pont qui rejoint là ? Le pont où ça ? Bah là au-dessus, la terrasse. Ah là, non, c'était des tests en fait. Là, je faisais des tests. Ah, okay. Genre, je savais pas quoi faire. En vrai, j'ai fait des tests de ouf en vrai. Ça, c'est une maison préfab, ça. Bah tiens, Aurel, comment ça va, Aurel ? Aurel, c'était mon gars. Hein. Un plumard, Aurel. Ok, bah ça, c'est la même maison que moi, ça. Ouais, c'est le même préfab. Ok, d'accord. C'est toi qui l'as construit ? Négatif, ça doit être Miku, ça, je crois. Ah ouais, donc il y en a encore qui jouent en fait. Lit de Miku là. Ok, il s'est fait la même case que moi, c'est mon voisin. Ça c'est une tour de Mirador. Alors ça c'est une tour de Mirador, pas fabriquée moi-même. Moi j'en ai fabriqué moi-même là-bas à gauche. Elle c'est un préfab, elle là-bas c'est pas un préfab. Ah celle-là en face ? Ouais, c'est pas un préfab si tu veux, tu peux aller voir. Celle-là c'est moi qui l'ai fait moi-même. Tu le vois direct, c'est pas ouf tu vois. Bah si. Je vois pas de diff, hein. C'est vrai, franchement, crafter toi-même, c'est vraiment dur des fois. Mais il y a un potentiel de baiser, hein. Vraiment de zinzin. Pourquoi la maison, là, elle brille ? Elle est bleutée parce qu'il y a encore un pattern, elle est pas terminée 100%, tu vois. Ah, ok. Ah, mais oui, il y a des monstres, là, qui pop. Ouais, il y a quelques monstres, je sais pas pourquoi, parce qu'on est... je ne sais pas, en fait. Les coffres blancs, c'est des grands coffres ? Ouais, c'est pas les meilleurs, en plus. Du fromage ? Carapace gelée ? Des os maudits ? Ouais, là c'est le coffre que de trucs rares. Ouais, c'est le coffre que j'étais. Bah, j'étais il y a pas longtemps en plus dans le biome, dans l'endgame. Du pain nordique. L'endgame du jeu, enfin le biome neige en soi, c'est l'endgame, hein. J'ai pas full exploré en fait. Je me suis permis de prendre des petits burgers, caisson. Ouais, vas-y. Allez, santé, hein. Merci. Le lit de Catsup, un puce, le Miku. C'est énorme. Il y avait c'est énorme, c'est vrai. Toi, si tu devais donner une note au mode Lego pour l'instant avec 40 heures de jeu. En vrai, comme je t'ai dit, niveau PVE, tout ce qui est exploration et tout, c'est pas... Il y a beaucoup de choses à revoir, je pense. Mais niveau construction, en vrai, on va pas se mentir. Avec le peu d'items qu'il y a, il y a quand même un truc cool à faire. Vraiment. Okay. Si t'es débrouillard et que t'es créatif, tu peux te régaler. Moi, je suis pas vraiment débrouillard. Ouais, bah je t'ai dit, moi je suis beaucoup de TikTok, etc. Et les gens, ils arrivent à faire des trucs de cinglés, en vrai. Ah, la prochaine fois, si tu veux, gros, j'ai un pattern de métro dans ma tête pour aller de l'endgame, enfin du biome neige à ici. Je vais le crafter là bientôt. Dès que j'ai fini de crafter, tu viendras. Tu me présenteras ton métro. Il est fonctionnel, hein. J'ai testé. Ah ouais ? Faut que je fabrique en survie, donc ça y est. C'est du farm. Dès que j'ai terminé, je t'envoie un message et tu viens essayer. Vas-y. Ah ouais, non, mais c'est le même grappin que j'avoue. Ils font le même bruit et tout. Ah ouais ? Oh, mais c'est exactement le même. Bah après, c'est Fortnite, hein. Ouais, j'avoue. Un petit truc que je voulais te dire, gros, c'est que j'ai appris. En fait, quand vous allez voir des animaux, vous pouvez les caresser pour avoir des œufs avec les poules, de la laine avec les moutons et du lait avec les vaches. À noter que si vous donnez à manger un stack complet de lierre, de maïs ou quoi, ça vous donne 2 à 3 fois plus de ressources. Ah ouais ? Et ça, je l'ai appris. Moi, j'avais vu où justement pour les attirer vers toi, faut faire le petit poussé avec du lierre ou quoi. Et ouais, ils sont attirés par la bouffe et du coup, tu peux faire des enclos. C'est ça. Et à noter que dans le biome neige, tous les animaux, ils sont reskin. Les vaches, les boucs. Ils ont un autre skin ? Ils ont un autre skin, oui. Ah ouais ? Ouais. Ok. On est sorti de la base, les amis. Donc de derrière, ça donne quoi ? Là, j'ai pas fini. En vrai, tu vois, j'ai des modifications à faire et tout.
T'as vu, c'est un sacré truc quand même. Bah j'avoue. Bah n'hésitez pas à donner une note, hein, les gars. J'ai pas fini en vrai. En vrai, j'ai pas terminé. Voilà, bon, c'est un village un petit peu chalet, quoi. Ouais. Question, je vais pas te mytho, le truc de Dobby, va falloir le détruire. Pourquoi? Bon, en vrai, c'est ok, c'est emblématique, mais c'est moche. Ouais, l'améliorer. Il va falloir faire des petites routes et tout. Ah ouais. Ah, je te dis, moi, sur TikTok, j'ai vu des dingueries, ça m'a donné des idées. Ouais. Et niveau création, ouais, il y a vraiment un potentiel de fou malade. Il y a une petite erreur là, caisson. Bah là, regarde, il y a un trou. C'est quoi, c'est une fenêtre? J'ai une question, tu vois, ici, il y avait une brute. C'est les grands géants. Je l'avais tué la dernière fois. Il respawn ou pas? Ouais, il respawn assez souvent, ouais. Mais il est ici? Bah, il est pas vraiment ici, tu vois. Mais il respawn vraiment souvent à côté de la base. Oui. Mais gros, c'est une dinguerie pour se balader. Mal, hein. Tu sais que je m'en suis même pas servi une seule fois. Allez, je vais aller voir ton truc là-bas. C'est quoi ça? Alors ça, bah, c'est ce que je te parlais tout à l'heure. C'est une plateforme que j'ai commencé à vouloir étudier le métro, en fait. Pour aller du biome neige, qui est super loin, à ici. Mais comment ça, le métro? Genre là, tu montes tout en haut, ça va être un métro? Ouais, enfin, un métro, ça sera en l'air. Pas, sous terre, c'est pas possible. C'est avec Lego, c'est pas possible. C'est parce que j'ai pas les ressources, et ça coûte cher. Mais je t'aurais bien montré le pattern pour commencer la voiture métro. Enfin, la voiture du métro, en fait. Mais t'as pas un monde créatif? Ici. Et genre, tu peux m'inviter? Vas-y. Attends, mais comment on est haut? C'est un truc de dingue, comment on voit tout autour? Ah, du coup, là, on voit qu'il y a... On voit qu'il y a les montagnes là-bas, là il y a la mer, tout le désert. Ah, si t'es en render distance phare, tu te régales en vrai, c'est beau gosse. Ah, là, je vois tout c'est là. Vraiment... Oh, comment c'est satisfaisant du coup, là, le planeur. Et voilà notre château fort, les amis. Tu vas continuer sur serveur ou pas? Ouais. Toi, ça y est, c'est ton serveur, ça. Ouais, je vais... Bah, en fait, je vais continuer et puis... Peut-être pas non plus à travers tout le temps, mais je vais continuer comme ça. Bah, au pire des cas, tu te reconnectes de temps en temps et tu dis, oh, trop stylé et tout. Et ouais, bien, bah, en moi fait. En vrai, je ferais peut-être des sessions de temps en temps ici. Hein. Je te dis, nous avec les croutons, en fait, en gros, on va peut-être faire un serveur spécial croutons, mais qu'on jouera que quand on est tous ensemble connectés. Ouais, là, l'aventure, si tu t'es mis à fond en quoi, en 10 heures, t'as terminé? Ouais, franchement, si c'est un mec qui est habitué au survie, oui, je pense. Après, mine de rien, le biome neige est archi dur, hein. Ah ouais? Il est vraiment dur. Ah oui, il est vraiment dur. Je te jure, il est vraiment dur. Qu'est-ce qui est dur? Bah, en fait, ils te font beaucoup trop mal, même avec les. Comme tu as pu constater, dans l'établi, là. Dans l'établi, t'as le logo bouclier. C'est tout des amulettes que tu peux crafter. Oui. Va jeter un œil si encore. Et ben, en fait, tu dois systématiquement avoir des amulettes. Sinon, un loup, ça te one-shot alors que t'as 13-15 cœurs, tu vois. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment fort. C'est vraiment, vraiment fort. Des amulettes, fiers, et par exemple, pour tuer le genre de crack-boule de neige, là, il te faut 70 flèches avec une arbalète violette non enchantée, parce que tu peux enchanter tes armes. Tu peux enchanter tes armes? Oui. Comment tu fais pour avoir une arbalète violette là où on a que les bleus? Parce que j'ai pas encore looté la malachite qui te permet de débloquer le blueprint de l'arbalète de mémoire. Attends, tu dois débloquer des trucs pour avoir la recette? J'étais pas au courant. En fait, dès que j'ai débloqué la malachite, il va dire, je crois que c'est ça, hein, de mémoire, il va te dire, vous avez débloqué un nouveau blueprint pour, admettons, crafter l'épée qu'on n'a pas encore débloquée sur ton serveur là, et l'arbalète. Tu vois, j'ai pas 100% fini, mais tout seul, le biome neige est vraiment dur, je trouve. Ouais, bah, j'imagine. Putain, bah du coup, je suis pressé de le faire parce que là, c'était juste une vidéo présentation. Tu m'invites sur ton serveur pour montrer ton métro? Donc en fait, tu vas sur le créa pour t'entraîner, c'est ça? Ouais, j'ai fait, bah tu vois là-bas, j'ai fait des tests et tout. Mais enfin, c'est des rails de train en fait. Ouais, mais en vrai, c'est ce que je veux faire dans ton serveur dans ton survie. Mais gros, c'est super cher. Rien que le bois et tout à faire. Ouais, j'avoue. Et sachant que tu voles là, en survie tu ne voles pas. Hein. Ouais. Tu veux que je te montre rien que pour crafter la truc? Vas-y. Après c'est moi la technique que j'ai fait, mais sinon il y a d'autres techniques je pense. Le délire c'est de mettre les roues, parce que tu peux pas porter le véhicule, c'est de mettre les roues sur les trucs là ici. Ok. C'est où je suis. Alors regarde la dinguerie que je dois faire. Donc il y a peut-être d'autres techniques, mais je dois mettre une plateforme, ok. Ensuite la plateforme dynamique qui te permet de mettre les roues. Donc ouais. Elle est là, tu vois. Donc là je vais mettre mes petites roues. Hop, hop. Je le fais à l'arrache, hein, on s'en fout. Ouais, t'inquiète. Donc là, du coup, à partir du moment... Vu que tu vois, là, je dois poser la truc. Là, donc, du je coup, vais casser le truc. Hop. Là, ensuite, je vais mettre des petits réacteurs. J'avoue que j'ai vu beaucoup de TikTok, mais celui-là, je l'ai pas vu. Donc là, tu mets des réacteurs. Hop. Mets-toi sur la plateforme en pan volant. Voilà, parfait. Attends, j'emboîte mes pieds dans les trucs, là. Voilà, Lego. Appuie. Sur la... Voilà. Et c'est ce que je veux faire sur ton serveur en survie, gros. J'ai mis des réacteurs pour pas aller trop. Et là, normalement, j'ai fait un système pour que tu montes. Et ça fonctionne. Ah, bah non, ils se sont enlevés. Ah non, vas-y, appuie, Val. Et là, normalement, ça doit monter. Mais attends, ça tue.
C'est oh en phase de test. Oh merde. En phase de test encore. Mais mec, les ça escaliers. Tue. C'est ce que j'ai. Et franchement, je te jure, gros, j'ai même pas regardé sur TikTok. Enfin, je me suis dit, vas-y, je vais tester. Et j'ai fait comme ça. Mais franchement, il y a un vrai potentiel avec les réacteurs et tout. Hein. Incroyable. Et les montgolfières, t'as tenté ou pas? Bah, les montgolfières, ouais, j'ai tenté. J'ai aussi fait une grande plateforme qui se dirige à droite et à gauche. Ouais. Mais c'est super dur à faire parce que la moindre erreur, tu dois tout recommencer. Bah oui. J'ai vu, il y a des gars, ils font carrément une montgolfière avec leur coffre et tout dessus. Mais c'est vraiment... Bah c'est trop greedy en fait. C'est trop random. Du coup, c'est chiant. Le seul problème, c'est que visuellement, c'est pas joli, tu vois, mais bon. Pas joli, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais bon. Là, c'est parce que c'est que le début, hein, gros. Dans 3 ans, ça tombe, si tu y joues encore, tu vas regarder ces vidéos et tu vas dire, ah, mais attends, comment c'était vraiment rustique à l'ancienne. Bah rien que, je sais pas si t'as déjà vu sur TikTok, pour faire fonctionner 2 réacteurs bien distincts, t'es obligé de faire un glitch avec un bloc qui se pose. Tu mets un réacteur là, et là. Tu mets un interrupteur ici. Là, les 2 réacteurs vont s'allumer, d'accord? Voilà. Ah, mais pourquoi on n'avance pas avec? Non, mais c'est juste un exemple. Oh merde! Oh merde! Tu vois, genre là, les 2 réacteurs, ils vont avec. Mais okay. Par exemple, si je remets une plateforme, regarde, je remets une plateforme, admettons, je mets réacteur ici et ici comme tout à l'heure, à l'instant. Donc là, il va aller vers la montagne là-bas. Ouais. Et ben, en gros, si tu fais ça, tu mets un bloc comme ça, admettons, je fais à l'arrache, on s'en fiche, tu veux faire comme ça, et que tu mets un réacteur ici, enfin, une commande ici, ben, malgré que tu vas activer celui-là, ben, les 4, ils vont fonctionner. Tu vois? Tu peux pas bien... T'es obligé de glitcher ce bloc-là où t'es là. Le bloc que t'es là, t'es obligé de le glitcher. Pour le glitcher, tu veux que je te montre comment on fait? Vas-y. Donc, en fait... Pour représenter bien ce que je vais faire là, c'est une tannée, gros. Donc, t'es obligé de prendre... Tu prends un pilastre, tu le mets, admettons, comme ça, comme ceci, tu vois. Ensuite, tu vas dans les fondations, comme tout à l'heure, comme je t'ai montré. Du coup, là, tu mets le bloc, ouais. Donc, là, voilà. À partir de là, tu peux mettre... On va mettre les petits réacteurs, ça va être plus simple. Donc là, tu mets les petits réacteurs là. Et du coup, ce qui veut dire qu'en fait, la télécommande, elle va activer que cela. Si tu casses là, en fait... Et la gravité, compris. Vu que tu casses et la gravité pose le bloc sur la plateforme, bah en fait, je vais te remontrer, regarde. Évite de le pousser cette fois-ci. Il faut l'emprisonner pour pas qu'il bouge, non? Exactement. Et c'est une tannée, je trouve. C'est dommage d'avoir fait ça. Bah après, c'est le début, frère. Hein. Ouais, c'est vrai. Là, tu dois mettre des barrières ici pour bloquer, tu vois. Tac, tu bloques ici. Là, du coup, tu refais ce que t'as fait tout à l'heure. Donc là, tu l'avances. T'avances là. Et ensuite, tu rebloques avec des... avec des barrières, avec ça, et comme ça, lui, il va plus bouger. Voilà. Et là, donc, du coup... Et là, ça permet de dissocier les deux. Genre, lui, voilà. Si j'active... Ok, d'accord. Voilà. Et l'autre, voilà. Ok, putain, what the fuck. Et voilà la dinguerie, gros. Et si tu veux, tu... Attends, tu peux pousser le vis plus loin. Attends, 2 secondes, on va tester un truc. Attends, essaye de pas le casser. En vrai, c'est stylé, hein, quand même. En vrai, c'est marrant. Il y a vraiment un vrai truc à faire, hein. Tu crois que ça va casser les trucs, si je fais ça? Oh putain! Il est tombé le truc? Non, il est pas tombé. Attends, viens, on va essayer mais de attends, le faire. Mais attends, attends, j'ai une question. Qu'est-ce? Le ballon, il y a un plafond ou il s'envole vraiment indéfiniment? Bah, je pense au plus t'en mets, au plus ça vole indéfiniment. Ah, ok, là par exemple, attends, viens, seul, ça vole juste là. Voilà, regarde, je mets des petits pour redresser. Je suis parti. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est vraiment pas, c'est ça, vraiment c'est pas mal. Dinguerie en vrai, ça. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et j'avais fait une grande plateforme géante pour aller à droite et à gauche, parce que là tu peux aller que avant ou arrière. Non mais ça faut regarder des tutos en fait pour faire vraiment le parfait. Hein. Et les ballons, et ça, comment c'est... tu les fais en créa, en non créa? Ah c'est assez cher je trouve, hein. Du tissu, une torche et une corde. Okay. Pour les petits, pour les gros c'est tissu de soie, torche et corde, mais beaucoup plus gros. Mais après là tu vois j'ai l'impression qu'il y a un bug de texture. Bah faut pas se mentir, les réacteurs qui sont sur ta plateforme c'est un glitch en vrai de vrai. Ah ouais du coup ça se ressent. Parce que les réacteurs à gauche, ils sont pas buggés du tout. Mais dès que j'utilise les autres, les petits, c'est buggé. Et vu qu'on est en ligne aussi, le client et le serveur, des fois, ça a du mal. Bah, incroyable. Bah, franchement, j'ai hâte que tu t'entraînes avec tout ça. Ouais, moi, j'adore les Et que tu me présentes tes petites machines. Bah, GG qu'ils sont, en tout cas. Hein. Ouais, bah, y'a pas grand-chose. J'espère que t'as kiffé, quoi. Bah, c'est sympa de voir... C'est marrant. Je pensais que le monde était beaucoup plus évolué. Du coup, j'étais en mode... Putain, je vais plus pouvoir jamais jouer avec toi, mais en fait, si, je peux quand même, tu vois, je vais pas être perdu. C'est juste à avancer un petit peu, en fait. Après, tu joues avec tes collègues en même temps, tu peux quand même te régaler, en vrai, parce que je pense que, de toute manière, le serveur Crouton, si on le fait, ce sera plus axé PVE, et genre plus la survie et notre petit village qui va grandir, tu vois. Et nous, du coup, notre serveur actuel, ça va être plus être serveur en globalité, genre des gros trucs, les métros, tu vois.
Ouais, mais moi, je vais ton serveur là, je vais continuer à jouer dessus. Mais dès qu'il y aura des mages et tout, je vais jouer sur ton serveur. Mais comme ça, au moins, bah toi, t'auras aussi, tu pourras regarder un peu ce qui est faisable, parce que bah en vrai, tu vas moins jouer, je pense, par la suite. Ouais. Parce que t'as bien aimé malgré tout, malgré que j'ai pratiquement tout fait tout seul en soi, mais je trouve que c'est pas mal, hein. Bon bah des bisous, mon petit caisse, hein. Ouais, bisous. Brrr.